J'ai présenté un certain nombre de pièces qui sont... Elles ont quelque chose en commun, c'est sûr. Elles viennent tous, en tout cas, d'Espagne. Comment les pièces ont été, enfin, quelle est la genèse des pièces? C'est vrai que ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est essentiellement des pièces populaires qui ont été ensuite réappropriées par des musiciens, compositeurs du début du XXe siècle. Ceux qui des chansons séfarades, c'est ma langue maternelle, donc c'est de l'espagnol ou du castillan, mais qu'on appelle pour les séfarades du ladino. Et pour moi, c'est important de savoir ce que je chante. Maintenant, improviser sans parole, aucun problème. Pour moi, c'est un jeu. Il faut donner ce côté première fois, je dirais, pour soi-même comme pour le public, tout en gérant des choses qui sont de l'ordre effectivement technique. Moi, par exemple, aujourd'hui, je me plaignais, mais évidemment intérieurement, que mes ongles étaient trop courts, que je ne pouvais pas attraper les cordes. Et c'était comme ça pendant un certain temps. Mais une autre partie de moi-même me disait « Vas-y, fonce, fais de la musique, écoute ce que tu fais, vas-y, quoi ». Donc c'est une forme de, d'équilibrisme, c'est peut-être du cirque finalement. C'est l'école du cirque.